Salut les amis, bienvenue sur Freyager, la chaîne où on parle moto, Harley Davidson et plus particulièrement du Softail Standard puisque c'est ma moto. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais retrouver mes frérots et frangines du chapter et on va participer à une journée organisée par les United Riders qui s'appelle Sans motard pour sans abri. C'est une journée où les United Riders donc récupèrent des vêtements et des objets de première nécessité donc pour les sans-abri. C'est une journée de solidarité hein, tout simplement. Oh le petit chat. Comme il fait beau aujourd'hui, il n'y a pas un nuage. J'aurais quand même eu aucune excuse à ne pas participer à cette journée, à cette manifestation. Ah, je pense que même si il avait fait moins beau, j'y serais allé quand même, évidemment. Donc là, je retrouve tous mes acolytes sur un parking, là, et puis ensuite, on va y aller tous ensemble. Et on se retrouve à l'extérieur de Tours, donc il y aura un mini-run pour descendre dans le centre de Tours. Est-ce que ça passe, là? Ouais. Le mois de novembre est critique pour les motos, surtout dans les ronds-points. La route est grasse, humide, les feuilles mortes et tout, c'est hyper dangereux. Alors, où se sont-ils garés? Ben, je les vois là. Hey! Ça va, Seb? La forme? Ouais. Yes. Il y a du monde qui arrive.
Yes, c'est bon ça. Le coup du casque. Ouais, ouais, là ça va commencer à être compliqué, on arrive dans Tours. Forcément, les automobilistes se mêlent à la partie, évidemment. J'ai pas compté le nombre de motos, mais à mon avis, on est plus de 100. Ça, c'est sûr. Avec à voir le nombre de motos qu'on a ici, là, dans la ligne droite, là. Wow, le truc de fou. Ça va jusqu'au bout, là-bas. La dame était pas contente parce que on passe au rouge, sauf que c'est une autorisation préfectorale en fait, c'est pour fluidifier la circulation et pour éviter qu'on soit trop longtemps, trop nombreux, tous au même endroit. Et donc voilà, on a des autorisations de la préfecture pour pouvoir passer les feux. Mais bon, et après je comprends, hein. Ça plaît pas à tout le monde quoi. Revoyons la scène avec un regard différent. Regardez ici à gauche là. Visiblement, cette personne a l'air pressée. Mais, arrivée sur les passages piétons, là, elle ralentit sérieusement. Je vous laisserai juger de son comportement. Comme quoi, c'est toujours intéressant d'avoir une caméra qui tourne. Oh, on arrive là. C'est la première fois, oh putain, c'est la première fois que je vois une trottinette s'arrêter devant une moto. Eh bien, t'as dit bravo le feu rouge. J'ai failli lui dire qu'il y avait une autorisation. Ouais, moi aussi, mais j'ai dit laisse tomber. Pff. Heureusement qu'on fait pas pareil quand les piétons passent au rouge, quoi, tu vois. Exactement. Ouais. C'est quoi ça? C'est ton chouchou, il a cassé. Oh merde. Tu vois, moi j'ai pas ce genre de problème. Thank you.
fin de l'événement. Je pense que les United Riders ont dû récupérer quand même pas mal de choses, puisque j'ai vu que les gens avaient emmené plein de denrées et de vêtements, et ils ont dû récolter un petit peu d'argent aussi avec du vin chaud qui a été vendu. Il y avait un dessinateur qui faisait des croquis également, qui récupérait une cagnotte pour les United Riders, donc je pense que ça a bien fonctionné. Voilà, c'est une super initiative. Ah, qu'est-ce que c'est beau là, putain. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était une belle journée pour une belle œuvre. Il me reste à vous souhaiter une excellente semaine et on se retrouve bientôt. Allez, ciao !